Bonjour, vous êtes bien dans votre espace pro unboncoiffeur.fr. Aujourd'hui, nous allons voir le lien, l'équipe. Donc, nous allons sans plus tarder nous y rendre. Donc, vous voyez sur votre gauche, dans le menu, vous avez l'équipe. Alors, dans l'équipe, ça vous permet de prendre et de présenter votre équipe, vos collaborateurs, vos coiffeurs, et indiquer leur spécialité. Par exemple, là, on voit que il y a cinq coiffeurs qui sont enregistrés, coiffeurs-coiffeuses, avec Gabriel. Voilà, on voit que c'est un spécialiste de coupe homme. Voilà, vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité, bien sûr, une fois que vous les avez enregistrés, de les modifier en cliquant sur le bouton modifier. Maintenant, vous connaissez le bouton modifier. Et de préciser ici, spécialiste de coupe homme et coupe femme. Par exemple, si vous voulez modifier, hop, vous faites enregistrer. Et voilà, donc là, ça y est, c'est modifié et c'est en ligne directement dans votre fiche salon. Si vous voulez en enregistrer un, rien de plus compliqué, rien de plus simple, pardon. Vous prenez, vous mettez ici le prénom de votre coiffeur, donc ce sera par exemple Sophie, d'accord. Ici, vous allez mettre un descriptif de qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est, etc. Faites le ressenti de votre coiffeuse. Donc, vous mettez un petit texte de présentation. Vous sélectionnez une photo d'elle et vous cliquez sur le bouton enregistrer. Une fois que ça c'est fait, vous aurez le résultat que vous voyez ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, on a cette photo avec une description de Magali. Voilà, on a fait le tour. Bon, c'est relativement simple. J'ai voulu quand même vous le montrer, vous le présenter, comment ça se passait. Bon, je pense que vous savez faire ça jusque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous vous êtes familiarisé avec l'interface, avec les boutons. Vous pouvez voir que les boutons sont les mêmes. La poubelle, c'est pour supprimer le compte. On vous demande toujours si vous voulez le supprimer. Bon, là, on va annuler. Et la petite clé à molette pour modifier. Voilà, le tuto sur l'équipe est terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.